qui versait. Il dit que dans bagaille ça résidait yon dans loi qui plus secrète et puis constant dans l'histoire de l'humanité. Il dit que mais aucune liberté tout pas arriver lâcher sans un gros l'amour pour liberté, l'amour pour gourmet pour liberté, sans une solidarité profonde entre peuples. Ça, je ce que dit là, c'est une vérité liée. Tout nous trouvons dans l'histoire nous, pour nous lâcher liberté nous, comme souffrance que cette vie a duré, comme santé blessée, pour nous lâcher liberté nous. Et liberté ça, tout nous lâcher dans solidarité, nous l'autre. Et c'est ça comme réalité que le peuple dominicain comprend qui fait que je le dis, il a organisé samedi 31 juillet un gros événement, un événement en solidarité à peuple haïtien, à lutte peuple haïtien pour venir au pays grand monde, côté c'est pas américain ou bien gros groupe qui a décidé pour haïtien, c'est haïtien grand monde qui a décidé pour Haïti, qui a décidé quelle direction Haïti doit prendre. Donc, action solidarité ça, qui pour nous, dans PAPDA, dans le mouvement Azuei, dans le Centre Pont, dans GAR, dans toute notre organisation qui est impliquée dans la dynamique là, y a un sens politique extraordinaire. Et pour nous-mêmes, à tout ça, livre dit, gros coup de pouce, livre dit un coup de pouce que le peuple dominicain, avec les diverses organisations, a porté par le peuple haïtien dans le gouvernement de la Bénin pour que les villes pays grand monde tête li dans le gouvernement de la Bénin pour que ce soit encore groupe qui a fait l'ordre qui est le premier ministre, qui est le président, qui programme qui doit appliquer dans le pays sur le plan politique, sur le plan économique, etc. Il inscrit dans le coup de pouce dans la bataille que le peuple de Bénin pour une transition coupée et fâchée. Transition de rupture qui permet que nous rentrions dans l'autre période de l'histoire nous côté peuple là reprendre droit grand monde il reprendre destin en main et que c'est nous haïtiens qui a décidé pour Haïti désormais et évidemment ça inscrit dans bataille que peuple a mené pour donner lumière pour créer route maintenant Haïti l'ère du 104 nous cassons l'esclavage nous faire limer soleil liberté, liberté, liberté dans le monde. Que l'esclavage est dans le fait noir. Je vous dis, il y a un projet dans le fait noir. Fait noir ingérence, fait noir misère, fait noir corruption. Pour nous sortir, nous devons faire solidarité éterne, solidarité externe, ça a besoin pour nous jouer énergie, force, pour nous sortir contre le niveau. Et 10 ans, PHTK, la guerre là, 10 ans, fait plus de 106 ans, occupation. Sous toute forme, la guenon là, pour nous soutenir la donne, nous besoin de solidarité. C'est là. Si vous êtes ça, je veux dire, nous réunis là pour dire peuple là, demain, dans l'histoire de peuple, nous avons un gros événement. C'est événement gros caravane qui a sorti la République dominicaine et qui, j'ai quand même dit, a pris 9 frontières d'Arabonne, frontières du Mali, Malpas, côté haïtien, Cap-Goumé, Dominicain, Cap-Goumé, a pris accolade. A pas lancer des messages de solidarité pour dire renforcer et solidarité ça renforcer Goumé Cap Bénin ni l'autre bord ni ici pour sortir qu'on est là et en Haïti en particulier. La fin pour dire que Goumé Cap Bénin là son Goumé pour nous arriver faire peuple là reprendre bagage mon ni son Goumé pour que Haïti sorti dans misère dans grand goût dans ingérence américain et sans ça pour sortir nous dit peuple là. Faut le veiller, faut le veiller actif. Faut le veiller blanc raciste qui voulait appliquer plein la molle la côte pays. Faut le veiller tout sous américain qui Boris Tito qui dit que il y a 25 ans de bien faire collabo. Il a collaboré avec américain côte pays pour descendre côté là. Il y a des leaders politiques à Bonocho qui a pas au discours pression sur la radio, la télé. Et puis en bas, c'est même les amis politiques qui ont eu la poche, ils voulaient imposer nous pour continuer, même échéance américaine, continuer tout le premier pays dans la misère, dans le grand goût, dans la corruption, dans l'inégalité. Nous disons, peuple a veillé, veillez en haut, veillez en bas, veillez tout à Bolocho, dans tout niveau, qui besoin que le pays ait été gelé là. Donc,
arrivé, nous avons dit, sorti pays à côté là, peuple a inscrit dans le cadre de tradition rupture. Tradition rupture qui est faite avec des gens qui symbolisent la rupture. Notre tradition rupture, ça, nous n'avons aucun gâteau, aucun corrompu, aucun zèle politique qui depuis 25 ans de temps, après les pays, dans la misère, dans le goût, la corruption, dans tout le monde de la gagne. Pour venir continuer, même là, pour les Américains, d'ailleurs, on s'avance, on dirait, faut les pieds, j'ai oublié. Donc, nous-mêmes, qui là, nous demandé que la commission qui va être faite, comme objectif, aider, nous qui on sorti haïtienne, on sorti haïtienne dans la crise là, et qui déjà, tu organisé une conférence citoyenne, 17 juillet, dans Montana, conférence encore finie. Donc, dans le travail de finalisation de la conférence, nous avons besoin que le comité, commission, ça, comité appui, tout le acteur qui doit impliquer, pour rapidement nous finaliser le travail de conférence et aboutir à un accord sous base consensus que le peuple a tenu là. Nous avons dit, acteur politique, acteur social civil, le peuple a bouqué. Le peuple a besoin, sans souffle, notre record que nous avons entendu. Qui dit, mais que nous le pays à aller, et entre ça, encore cela, ces outils pour empêcher Blanc imposer Blanc en mol, ces outils pour que nous prenons en main de ces pays. Donc, pas de rien d'a dit, je vais mettre dame qui doit continuer. Faut tout le monde, faut que quatre sous table dans l'intérêt du pays. Faut tout sous-américain qui est là pour empêcher que, à quoi ça joue, dénoncer, et nous devons dénoncer. Nous disons, peuple là, fois ça, c'est tout pour gagner. C'est pas sous-américain, ni pas américain pour gagner. Et ça nous dit que Napton, nommé commission, comité suivi, tout acteur, date qu'il a finalisé conférence ça, qu'il a ce dernier accord pour sortir de là. Et ça, nous devons faire solidarité entre nous, toute façon, nous devons faire solidarité entre nous. Et pendant que la République Dominicaine, à travers le monde, je le dis, et commence crise pays d'Haïti, il y a des sous lui, il y a plusieurs parles, et comment. Plusieurs côtés, il y a parlé de président, pour y pas sous nous-mêmes, il faut nous faire nous couler les épaules pour nous arriver rapidement à partir là, c'est si le peuple a peur de nous. Et ce qu'a fait là, action, qu'a fait là, moi je vais faire demain, il est inscrit dans quatre gourmets, deux périodes, pour nous arriver rapidement à un pays grand monde. Ça peut pas commencer à partir de la course là, que tout a essayé de rejoindre pour nous rétribuer à venir là. Merci pour la délégation. Avec Saint-Pont. Inviter la presse pour être capable de faire une information importante sur un événement qui pourrait être fait demain samedi sous frontière là. Côté que une série d'organisations dominicaines, une large plateforme d'organisations dominicaines, plus pas une cinquantaine, qui décidait de faire une caravane de solidarité avec le peuple haïtien. Caravane de solidarité, ça, l'a sorti depuis 6h du matin Santo Domingo et l'a sorti Santiago. Donc il y a deux branches qui pourraient converger. Et pour aller gagner deux points d'arrivée sur frontière là, yon c'est Himané, l'autre là c'est Darabang. Pour qui ça a organisé Caravane Solidarité ça? Caravane Solidarité ça a organisé pour être capable de proclamer solidarité avec bataille démocratique que le peuple haïtien a mené, pour être capable de proclamer volonté pour que yon bataille avec le peuple haïtien, pour que nous joignions un espace politique qui permette de nous définir qui chemin pays en doit prendre. Et dans ce sens, il a dénoncé ingérence étrangère dans la politique pays d'Haïti et a dénoncé tout acte de domination qui a fait, qui a empêché que le peuple haïtien prenne destin en main pour le capable de sortir dans aucune chaîne de crise, la vie aujourd'hui. Caravane, ça, il a baptisé Caravane Jacques Vio. Il faut nous souligner que le mouvement Solidarité, ça, ce n'est pas un mouvement de solidarité qui fait fête, c'est un mouvement de solidarité qui est héritier de tout un ensemble de traditions de solidarité qui existent entre deux peuples. On a signalé par exemple que Gagnon, pendant Charles Impéral, avec Benoît Batraville, avec un pilote dirigeant paysan, était à bataille contre l'occupation américaine, il y a plusieurs Dominicains qui mourent avec ZAM dans la main à côté Charles Impéral, à côté Capoyo. Dans la bataille que tu as fait pour défendre l'autodétermination avec dignité peuple haïtien. Même Jean Tout, en 1965, l'armée américaine débarquait avec l'OEA pour être capable de craser le mouvement révolutionnaire dominicain. Nous joignons en pile
haïtiens qui étaient campés les armes à la main pour être capables de batailler, pour défendre la dignité du peuple dominicain. Et justement, Jacques Viau, c'était une ladonne, c'est un jeune étudiant, militant, qui mourit les armes à la main à côté dominicain pendant la bataille contre l'armée américaine. Et Jacques Viau était un rôle très important, il était armurier, c'est lui-même qui t'a réparé, nettoyé les armes que militants dominicains ont utilisé. Et je dis, un peuple dominicain a pile reconnaissance pour Jacques Viau. Non seulement il a fait plusieurs publications sur poème Nio, parce que c'est un poète tout, et il a fait plusieurs publications sur biographie et sur l'importance symbolique que Jacques Viau a gagné dans le cadre de construction de solidarité nécessaire entre deux peuples. Et en même temps, tout, gagné tout un ensemble de mouvements, tant que le mouvement Liborio, qui c'est des mouvements qui étaient faits en même temps que Haïtien ta bataille contre l'occupation américaine, que nous songeons que l'occupation américaine a été commencée en 1915 en Haïti, et a été commencée en 1916 en République dominicaine. Donc, deux peuples habitués à collaborer, deux peuples habitués à mettre les mains ensemble, deux peuples habitués à batailler face à des ennemis communs, deux peuples habitués à construire des parcours de solidarité pour être capable de résoudre des problèmes. Jodian, nous en face d'une grosse offensive idéologique en République dominicaine qui n'est pas aujourd'hui le fait, mais qui a aggravé, côté qu'il a attisé le racisme, il a attisé la xénophobie, il a attisé le sentiment anti-haïtien, côté que l'élite dominicaine, l'élite politique dominicaine a utilisé Haïti pour faire oublier qui principal problème social et politique qui gagne en République dominicaine. Et dans ce sens-là, nous voyons qu'il y a une pile violence qui est exercée contre les travailleurs haïtiens, il y a une pile discrimination, il y a une pile ségrégation qui est faite contre les travailleurs haïtiens et contre les migrants haïtiens en général en République dominicaine. Nous songeons fameux résolution 168-13 qui était dénationalisée aux bons haïtiens qui était faite en République dominicaine, malgré qu'il y ait une nationalité dominicaine et qu'il y ait remonté jusqu'à 1929. Donc, face à toute Baraisao et face, je dis, à une initiative que le gouvernement Abinader a pris pour construire un mur sous la frontière, là, nous avons pile organisation dominicaine qui a protesté contre fait mur ça et qui a dit que la frontière, là, c'est pas doué une ligne qui sépare deux peuples, c'est pas doué une ligne qui mettait deux peuples dos à dos, mais frontière doué un espace de construction de pont, de construction d'alliance, de construction d'amitié, de solidarité, de fraternité, qui est capable de permettre que deux peuples affrontent différents problèmes que quelqu'un peut faire face à lui. Et nous sommes capables de dire que solidarité, ça, c'est une solidarité qui est extrêmement importante et nous inviter la presse pour être capable de présent, pour être capable de couvrir l'événement ça. Et nous inviter toute organisation, tout monde en Haïti qui est intéressé ou bien qui compte participer déjà dans des travaux de solidarité avec l'Union dominicaine pour être capable de participer dans la caravane de solidarité. Ça. Je vais passer la parole à Josué Mérilien. Quelques années, un gros travail de rapprochement qui a fait sur le plan culturel et artistique et côté que déjà produit un pile nouveau bagage important dans le cadre de rapprochement de peuples. Rachel Magloire. Bonjour, bonsoir. Donc, Mouvement Azuri, c'est un mouvement artiste haïtien dominicain qui mettait tout ensemble depuis 2015. Côté que y a une grosse crise sur la question de dénaturalisation haïtienne de Boa, mais dominicain d'origine haïtienne, et nous décidons, au lieu de continuer dans le langage division entre nous, on nous rencontrer pour nous voir qui ça nous a fait ensemble. C'est comme ça que nous voyons que finalement, malgré tout, un paquet de discours, un paquet de déclarations qui fait, nous-mêmes avec Dominicain, nous semblons en pile. Culturellement, il y a un peu de bagages qui rapprochent nous. Nous avons fouillé dans l'histoire, nous rencontrons des moments de solidarité, nous découvrons un personnage ça, qui est le Liborio Mateo, qui était combattu l'occupation américaine, même Jean-Charles Pelal était fait ici. En 65, il y a un peu d'Haïtiens qui étaient réfugiés en République dominicaine à cause de la dictature qui était ici, là, qui a fait entraînement militaire pour venir renverser Duvalier. C'est même Mounsao qui était pour décoller avec Dominicain, l'armée américaine avec le a débarqué, Santo Domingo. Et Jacques Viau, Kounia, c'est pas grand peu l'haïtien qu'on aime, mais Jacques Viau, qui sont haïtiens, sont héros dominicains. Dominicains, ouais, tant qu'on est un héros. Il y a un livre sur lui, il y a un film, il y a tout un paquet de créations qui fait sur lui. Donc nous-mêmes, Mouvement Azuri, nous vivons ensemble, faire un album qui a 12 musiques là-dedans, qui chantait en créole, en parole,
bon, nous mettons un petit anglais là-dedans, pour que la ska saute sous idée et tout. Et nous avons chanté créé la Otra Cara qui parlait justement de tout moment de solidarité qui existait entre deux peuples. Donc, ben, vite, nous allons sur YouTube, chercher contre Mouvement Azuri, rencontrer Musique Sayo. Et là, nous entendons que dans une caravane dominicaine qui a vu une portée solidarité avec Haïtiens, c'était normal pour nous-mêmes, nous là tout. Parce que ça rentre dans la logique du travail qu'on fait, qui c'est créer des ponts, créer des liens, faire des travaux communs entre Haïtiens et Dominicains, parce que division, ce n'est pas bon pour nous. Ignorance, là, sans outils contre le peuple, ça veut dire le peuple a lui-même, les outils pour le prendre, c'est connaissance, c'est chercher qu'on est plus, chercher à apprendre pour être capable d'avancer. Et c'est dans ce sens-là, Azuria a un artiste qui a là, deux mecs qui ont sorti Santo Domingo, il y a un artiste qui a sorti Haïti pour aller rencontrer sous frontière et pour nous et manifester, pour nous recevoir. Bon, Azuria, son mouvement haïtien-dominicain, donc on a en même temps bail solidarité et recevoir. Et donc c'est une manifestation concrète de solidarité entre deux peuples qui a boumé pour être capable de décider comment le pays a fonctionné. Mouvement de solidarité, ça, c'est comment on peut manifester? Non, son caravane qui a sorti, son paquet d'organisations dominicaines, il y a une portion qui a sorti Santo Domingo, une autre portion qui a sorti Santiago. Donc nous-mêmes, nous allons rencontrer, ça qui a sorti Santo Domingo, nous allons sur route là, nous allons camper une série de côté, puis nous faire des manifestations, puis nous parler de pourquoi ça a fait ça. Et arriver jusque sur la frontière, nous allons porter solidarité avec Haïti, nous manifester, en même temps que nous allons manifester contre la construction en mur qui peut séparer deux pays. Parce que par exemple, nous-mêmes, le mouvement Azuri, nous protégeons un lac, les Azuri. Pour capable dire que le lac Azuri est divisé pays, mais il rassemble les pays autour. On sait qui va positionner par rapport à la frontière. Alors, mettons, le mur sous frontière, c'est que son mur qui est divisé. Frontière, son côté qui est rassemblé, son côté qui est connecté, mon mur ensemble. Et dans la réalité, soit dans n'importe où. Sous frontière, c'est Dominicain qui vient acheter là parce que la ville ça est tellement déconnectée de pays parce qu'il n'y a pas de route. Ce n'est pas avec Haïti qu'on vit, on vit avec Saint-Domingue. C'est la réalité. Marché ça est, c'est Dominicain qui vient acheter là. Il n'y a pas de moyens, il est trop compliqué, mais on prend la marchandise là, faire le sortir là pour arriver pendant le printemps. Son réalité, nous pas qu'à faire comme si nous pas well. Nous vivons ensemble, nous marions ensemble, nous faisons des choses ensemble, nous dansons ensemble, nous mangeons, nous faisons tout le bagage ensemble. C'est vrai qu'il y a tension, c'est vrai qu'il y a violence. Mais c'est vrai qu'il y a une pile solidarité, tout une pile convivialité qui existait sous frontières.